sur les panneaux de droite. Exactement. 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Félicitations pour cette jolie finale. Vous venez de décrocher votre second titre de champion de France en pistolet première division. Comment vous le vivez ? Très bien. On est fatigué en fait. On a fait beaucoup de shoot-off. Il y a eu des moments difficiles. On a été menés. Il a fallu remonter. Et malgré tout, on arrive à la première place. Le match de qualification a été serré également ? Non, ça a été le match de qualification. On se qualifie souvent, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de réussite. On se fait souvent sortir. Toujours, en général, par le même club en plus. Donc cette fois-ci, on s'est dit, c'est notre année, c'est pour nous. Votre premier titre avait été obtenu lors de la première édition à Ermont-Aubonne en 2004. Vous êtes-vous préparé spécialement pour cette compétition ? Spécialement, non. Je pense que tout le monde était très motivé. Le championnat de France 10 mètres a été un bon exercice pour retrouver l'ordre des tireurs, savoir qui était là, qui était prêt. Les participations au final de certains aussi permettaient de voir qui avait la niaque pour ça. Et puis le championnat régional des clubs a permis de retester, entre guillemets, certains tireurs pour former l'équipe qui est présente aujourd'hui et qui a fait un très beau boulot. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre équipe ? Alors, on va commencer par la galanterie voulant Fleur Chape, pistolière depuis des années. Je ne saurais pas quoi dire. En palmarès, championne de France 10 mètres en 2007. Voilà, 2007. Participation aux équipes de France en junior. Enfin voilà. Manuel Alexandre Grand, retraité des équipes de France depuis peu, comme il aime le dire. Le plus jeune d'entre nous. Voilà, le plus jeune d'entre nous. Un jeune senior 2 qui continue à tirer en senior 1 pour se frotter à l'élite, toujours, et avec bonheur. Encore au dernier championnat de France, Manu, genre en finale, parmi les seniors 1. Alexandre Chardonneau, ancien pentathlète, qui a bien tourné et qui est venu au tir après quelques années de penta en équipe de France au plus haut niveau. Je ne connais pas par cœur son palmarès de penta. Je suis champion de France en 2005 et j'étais vice-champion du monde et vice-champion d'Europe. Sébastien Blanchoin, qui est caché derrière la coupe, que je présente quand même, mais je pense que beaucoup de monde le connaît, membre des équipes de France depuis très longtemps, qui fait partie des peu de tireurs qui ont eu la joie de changer de bras. Quel bonheur. Suite à un problème d'épaule, donc qui a fait une partie de sa carrière du bras droit et qui maintenant la continue du bras gauche. De belles performances, un titre de champion. Champion du monde par équipe en gros calibre, vice-champion du monde, la médaille était tellement belle, au championnat du monde en gros calibre à Munich, au dernier championnat du monde. Bertrand Lebédé qui vient de nous rejoindre parce qu'il encadre en même temps une équipe de jeunes d'école de tir. Bertrand qui est également un senior 2, comme quoi le tir conserve, qui fait partie des tireurs qui sont en championnat de France tous les ans.
à 10 mètres, à 50 mètres, dans beaucoup de disciplines, et qui donc est pour la première fois en équipe de championnat de France des clubs. Donc sa première fois aura été une réussite. Le format du championnat de France des clubs varie un petit peu par rapport à ce que vous avez l'habitude de tirer. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, en tant que capitaine, président, tireur de temps en temps, j'adore. C'est l'opportunité pour le club, enfin pour les tireurs, de tirer réellement pour le club. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance dans cette compétition. On le voit dans les tribunes, dans les équipes, où ça fait un peu quitter le côté individuel du sport. Pour nous, en tant que tireur, 4 manches gagnantes, ça va très vite. Ça va très vite et il faut avoir la réussite. La réussite, bon, finalement, il faut savoir bien tirer, effectivement, mais aussi, il faut avoir la réussite. C'est déstabilisant. Et des fois, c'est très déstabilisant, parce que c'est pas grand-chose. Là, cette fois-ci, cette année, c'était très difficile pour tout le monde. Nous-mêmes, notre équipe, on y est passé à chaque fois d'un échelon à un autre, mais c'était tout juste, avec beaucoup de shoot-off. Et malgré tout, bon, maintenant, on sait la joie de la réussite, mais il y a quand même, c'est quand même quelque chose de très, très, très particulier. Pour finir, vous avez un message personnel à faire passer ? Moi, je veux remercier tout le staff limougeois. Et voilà, et surtout à un des membres du staff qui est mon cousin. Donc merci au staff et merci à la famille qui m'a hébergé pendant 2 jours et ça m'a permis de me reposer et de peut-être aussi apporter édifice à ce titre de champion de France. Et merci à tous mes amis qui sont là. Clichy, merci et félicitations encore. Merci.